Bonjour à toi, cher spectateur, et on va parler d'une grosse suite. Une suite que personnellement j'attendais beaucoup, que Hugo à côté de moi attendait beaucoup, celle d'un succès d'il y a maintenant 4 ans. 4 ans, ouais, c'est Ouais, ça, à peu près. déjà ça remonte, ah, punaise, 4 ans. Celui de Dernier train pour Busan, qui était quand même un sacré long métrage lorsqu'il était sorti, qui sortait un peu de nulle part en plus. Et donc il s'agit de Peninsula, toujours réalisé par Sang-ho-Yeon. L'histoire, donc. 4 ans après les événements de Dernier train pour Busan, la Corée est isolée, il n'y a plus personne dessus si ce n'est quelques résistants et beaucoup, 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 beaucoup de zombies. Et on va suivre un ancien militaire qui va se retrouver à devoir y retourner pour choper un gros paquet de flouze pour un gros trafiquant à Hong Kong. Bah, je vois pas Oui, comment mieux résumer le film. mais ça. C'est... Ouais, voilà. On va dire que c'est ça. Voilà. Pour en parler avec moi, bien évidemment, Hugo Joubert, qui m'a Voilà. supplié de faire la vidéo sur Peninsula, quand Ah même. oui, bah je voulais Oui, tellement. tu voulais J'ai tellement, hein. menti. Oui. Il avait envie, hein. Il avait vraiment envie. Hein. Il va pas Ouais. l'admettre maintenant qu'il a vu le film, mais il avait envie. Bah, Dernier train pour Busan, ça a été un gros coup de cœur, je sais, pour toi comme pour moi, lorsque le film est sorti. C'était il y a C'était 3 ans. à 3 ans? 2017. Oui, c'est ça, c'était 2017. Oh la vache, ouais. Là là. Et on rajeunit pas, hein. Ah non, on rajeunit pas. Ça va toi sinon? Oui. Mais à l'époque, c'était vraiment une grosse claque. Enfin, moi, je me rappelle encore et je me suis vraiment dit à ce moment-là, il y avait eu deux gros films sud-coréens de cette année-là. C'était The Strangers et Dernier train pour Busan. The Strangers était extraordinaire, mais Dernier train pour Busan, c'était vraiment du divertissement et c'était quelque chose surtout d'assez surprenant parce que même si le cinéma sud-coréen, il déborde de beaucoup de choses, voir un film de zombies aussi intelligent dans sa conception et dans son geste. Ça, c'était renversant et le film est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire pour beaucoup c'est un film culte. Pour moi j'ai presque envie de dire c'est un classique parce que vraiment il a réussi à insuffler pas mal de codes et quand tu vois que tout le monde a envie de faire son remake du Dernier train pour Busan maintenant, ce qui est un petit peu ridicule parce que bah, Bah, c'est tout le monde compliqué de faire un ne peut remake pas de faire, Dernier train pour voilà. Busan aux États-Unis quoi, Dernier train pour Los Angeles, super, ça s'appelle Snowpiercer je crois, hein. Dernier train pour... Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas tant. Bref, contexte replacé. Mon cher Hugo Joubert, qu'as-tu pensé de T'as fait exprès de Peninsula? parler en bien de Dernier train pour Busan, juste pour qu'on s'attende à une super suite. Voilà, tout à Oui, fait, tout à ouais. fait. Eh ben Ah, c'est pas une vas-y. super suite. Allez, bon, ça c'est fait, fin de la vidéo, bonne soirée. Voilà, allez, ciao. Oh là là. Je dois donner un avis Ouais. constructif. Ouais. Bah, je pense que si ça avait pas été la suite de Dernier train pour Busan, ça aurait été une bonne série Z un peu nanardesque qu'on aurait pu voir la nuit fantastique. Problème, c'est la suite de Dernier train pour Busan. Je m'attendais pas à une série Z, je m'attendais pas à un film qu'on pouvait voir la nuit fantastique. Je m'attendais à un film au moins aussi intelligent, voire plus que le premier, aussi sobre, aussi efficace que a pu être Dernier train pour Busan. Et bah le film n'est rien de tout ça. Malheureusement, on va venir un peu plus dans les détails, mais alors c'est pas une purge, hein, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais on n'est pas loin quand même. Alors moi j'annonce, si Dernier train pour Busan avait dû être un premier film, Peninsula est le Resident Evil Apocalypse des suites. C'est-à-dire Ouais, que... Ouais, non? Non mais oui, pour c'est moi le c'est Doomsday ça. coréen. Voilà, c'est pas faux. Oui, c'est vrai qu'on Et en parlera, ça mais donne un oui. peu l'ordre de la qualité du film. Ouais. Non mais il y a un énorme plantage de la part de Sang-ho-Yeon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Il a voulu refaire la même chose, mais version bigger and louder. Et en fait, il a fait ça au détriment d'un scénar qui, ici, est proche du ridicule. Passe son temps à aligner des clichés que, franchement, je pensais pas voir dans un film qui se veut être la suite de Dernier train pour Busan. Ça reste divertissant, soyons sincères. C'est pas une Oui, œuvre qui comme tu est... disais, c'est un Resident Evil, voilà, c'est divertissant, mais Pour moi, c'est plus de l'ordre du plaisir ouais, coupable que du vrai bon film que c'est tu ça. savoures. C'est ça le souci. C'est-à-dire que moi, je re-regarderai certainement le film pour y avoir un second coup d'œil et peut-être pour me taper une barre parce que je vais voir des petits détails et me rendre compte que le film est encore plus con que ce que je pensais. Mais on n'attend pas de ce genre de film ça, en fait. En fait, dans le film, il y a des bonnes idées. On va en revenir après sur l'image, machin et tout. Mais c'est pompé sur tellement d'autres œuvres, que ce soit des œuvres en rapport avec les zombies ou morts-vivants, ou des œuvres qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est tellement pompé sur d'autres œuvres que du coup on se dit, bah c'est con parce que c'est une bonne idée, c'est joli, c'est bien fait, ce machin.
Mais j'ai l'impression de revoir exactement les scènes que j'ai vues déjà 40 000 fois. Alors que le dernier train pour Busan, c'était pas ça. On voyait Alors? quelque chose d'un petit peu novateur, d'un petit peu. Alors, qui avait quand même ses clichés, mais qui s'en servait très bien. Et là, c'est pas du tout le cas. Non, non, c'est pas Et du c'est tout le cas. dommage. Ouais, c'est bien dommage parce que franchement, de la part d'un tel film, on s'attendait à mieux. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Sang-Goyeon et Ryung Jung-Kai. Je sais pas par où commencer sur l'écriture parce que pour moi, c'est vraiment le fardeau de ce long métrage. Bah tu l'as dit, hein, trop. Enfin, bigger and louder, quoi. C'est ça. En fait, le pire ennemi qu'ont les deux scénaristes, c'est Dernier Train pour Busan. Et ça se voit dès le début. C'est-à-dire qu'en gros, constamment, ils essayent de faire écho à ce qu'on a vu dans Dernier Train pour Busan. C'est-à-dire que l'introduction du film, les 10-15 premières minutes, c'est Dernier Train pour Busan, version condensée. T'as le même climax émotionnel, t'as le même enchaînement émotionnel, t'as les mêmes personnages qui sont amenés quasiment dans le même ordre. C'est juste Même que lorsque ordre. t'arrives à la fin, et ben, c'était juste une intro. Et là, tu te demandes, ok, qu'est-ce qu'on va raconter maintenant? Et à partir du moment où l'histoire se met en route, tu as le premier cliché de l'ancien militaire qui maintenant s'est reconverti dans la vente de drogue, etc. Tu as un deuxième cliché, c'est le baron de la drogue qui est bien évidemment américain et qui prend tous les Asiatiques pour les mêmes et qui les confond. Tu as un troisième cliché, c'est le mec qui s'occupe de diriger l'opération, qui est l'espèce d'Asiatique qui pète tout le temps des câbles et qui parle anglais alors que il parle à des mecs qui parle coréen, donc ça a aucun sens en fait. Et tu ne fais que ça, enchaîner les clichés tout du long de l'aventure. Et Je pense aussi aux méchants du film. ouais. Et alors pour moi, le méchant du film, il y a deux soucis. C'est que dans un premier temps, ils ont voulu pomper des trucs à Mad Max, Oui, vraiment. oui. Et dans un deuxième temps, ils ont voulu faire un espèce de méchant à la James Bond, genre un peu dans la vibe récente, genre un peu. On sait pas s'il est androgyne, on sait pas s'il est gay, on sait pas si. Il y a un gros souci avec ce personnage de méchant, je trouve qu'il est très borderline, qu'il y a des vannes aussi qui sont très borderline, notamment une vanne sur l'homosexualité qui est très très mal amenée au sein du film et qui n'a Mais aucun sens en plus. l'humour aime à l'amener quasiment tout le long du film. À part, et on va en revenir après sur les personnages, les deux personnages enfants que j'ai trouvé plutôt attachants et encore beaucoup moins que pouvait l'être le premier. Sur le premier, ensuite du début à la fin, là, il pop à un moment. Trop tard, ce serait trop tard. On peut pas s'attacher à un personnage au bout de 50 minutes du film. C'est ça. C'est trop tard. Et du coup, à part ces personnages-là où l'humour marche, je trouve plutôt bien. Sinon, non, Non. non, 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 bah non, Non, bah non. non. C'est ce que je disais, ils ont essayé de refaire ce qu'a pu faire des Mad Max ou ce qu'a pu faire des The Last of Us, mais en moins bien. Ouais. Mais il n'y a pas besoin en plus, regarde le Oui, premier, tu l'as dit oui. toi-même, il y avait plein de clichés, mais ils savaient les amener dans une direction intéressante. Moi je pense à un truc tout bête, c'était le personnel, c'était le couple qu'il y avait dans Dernier Train pour Busan, Oui. où au début ils étaient amenés d'une certaine manière qui est intéressante, c'est-à-dire qu'en gros on avait une femme qui semblait très autoritaire et le mec hyper baraque qui était hyper soumis, et on se rendait compte qu'en fait non, c'était parce qu'elle était enceinte et que lui il voulait absolument la protéger, et il y avait ce revirement de situation à la fin qui rendait le personnage encore plus iconique et important. T'avais Sper qui passe son temps à agir de manière très lâche et qui d'un seul coup a un revirement parce qu'il se rend compte qu'il peut pas agir comme ça et qu'il est trahi finalement par sa propre hiérarchie en un sens. Et là, le souci, c'est que dans le film, il n'y a rien de ça. Il n'y a plus de métaphore, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de profondeur. En Bah, fait, le côté émotionnel, pour revenir un petit peu parce qu'on est en train de divaguer, mais par rapport à l'écriture, le côté émotionnel qui marchait très bien dans le premier, parce que je me souviens à la sortie du film, on était dans un état magnifique. Fallait nous croiser à la sortie du ah, film c'était Dernier train pour magique, hein. Busan. Là, ils essayent en 10 fois plus, et sauf que ça ne marche absolument pas parce qu'on ne s'attache pas au personnage. Et quand à la fin, ils font une scène à rallonge Mélodramatique, comme c'est pas mélodramatique, permis. non, bah non, Bah non, ça ne marche pas tu. du tout. Ouais, Ça ne non. marche pas du tout parce que l'écriture fait défaut au film tout le long, et du coup, bah, à la fin, bah, t'es pas attaché au personnage, et du coup, bah, tu pleures pas. Bah non. Enfin, ou au moins, t'es pas touché émotionnellement. Pas jusqu'à Bah. pleurer, mais t'es pas touché T'es pas émotionnellement. touché en fait, t'es pas transporté parce que les personnages, comme tu l'as si bien dit, on en fait popper la moitié à 50 minutes de film sur 2 Et heures, en plus, donc. on les voit, il y a tellement de choses. Enfin, c'est aussi un des défauts, c'est qu'il y a trop d'histoires, trop de choses dans un seul film. Et du coup, bah, tu vois les personnages en tout et pour tout 20 minutes. Donc à la fin, quand il y a une scène mélodramatique avec ces personnages-là, bah, tu te dis, bah, oui, bah, c'est bien. Ouais. Hein? Allez, affaire suivante. Ben non, mais en fait, la meilleure qualité que peut avoir ce scénar, en fait, c'est d'assumer une partie de son concept qui consiste à vouloir en faire des caisses
Oui. Et c'est juste cette partie-là en fait qui Oui. fonctionne, sauf que ça tient pas tout le film. Ça veut dire que tu vas passer ton temps à trouver des trucs un peu drôles, tu vas te dire le camp, il a quand même une certaine gueule, cette espèce d'immense cage dans laquelle ils font des espèces de courses de, enfin de Oui, survie. Ça, c'est amusant, mais ça fait quoi, plein de trucs qu'on a déjà vu trop de avant. trucs. Et t'as plein de trucs comme ça. Et par contre, ouais, tu l'as dit, et je repointe du doigt, l'humour du film est nul. Mais vraiment nul. Que ce soit les blagues avec la commandante Jane, que ce soit... Oui, oh non, Ouais, non, 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 voilà, on n'en non. parlera pas, mais J'ai voilà. failli me jeter par la fenêtre à cause de ce running gag. Voilà. Sans running gag qui n'a aucun sens, mais que ce soit ça, que ce soit les blagues homophobes, que ce soit certaines séquences qui se veulent comiques et qui en fait le sont pas, il y a plein de petits trop-pleins en fait qui tiennent pas. Les seuls, comme tu l'as dit, qui tiennent, c'est les deux personnages de sœurs qui sont plutôt intéressants parce que tu les vois survivre. En fait, tu te rends compte que c'est trop classe qu'elles arrivent à survivre comme Oui, ça, et puis il y mais il aurait a. limite fallu faire un film sur ces deux Oui, personnages mais et oui, ça aurait été complètement. passionnant, je Parce que pense. le décalage entre bah, ce monde complètement coupé du reste du monde et avec tous les innombrables zombies, les hordes de zombies qu'il y a et tout, oui, effectivement, là, ça aurait été intéressant. Ça a déjà été vu plusieurs fois dans plusieurs films, mais je pense qu'il aurait pu faire quelque chose parce que, au niveau de l'écriture, on sait qu'il peut réussir à amener du décalage. Typiquement, on prend le train et finalement, ça devient une attaque de zombies et ça C'est marche très ça, bien. et ça marche hyper bien. Et là, non, parce que bah, Ils ont voulu aller dans c'est. trop de Ouais, directions, voilà. clairement. Parce qu'à la fois, tu te retrouves avec un film de zombies Un ou film de gangster, un un film de film de fin gangster, du monde, et un ça film commence avant de. tout comme un drame humain, donc ça marche pas. En fait, il aurait fallu que le film se passe vraiment sur l'île de la Corée, que ça se passe entièrement dans la péninsule, et qu'à la limite, tant pis, tu joues la carte de Last of Us à fond, tu mets des guerres de gang sur l'île entre plusieurs factions, tu mets les deux gamines au milieu, et c'est très bien. Et là, par contre, on est sur du pompage de The Last of Us, mais au moins, Mais on se dit... même pas que The Last of Us, Ouais, hein, ça mais au peut passer moins, on se dit, ça se tient. à un million de trucs, Dead Island, Ouais, c'est ça. Mais au 48 moins, on semaines se plus dit, ça, tard, il y a trop de trucs. ça prend forme. Sauf que là, non. Il y a trop de références, je pense, au bout d'un moment. Trop, trop. Il y a trop. Il y a trop, Il y a trop voilà. dans ce film. En termes de mise en scène, Sangoyeon, il est moins à l'aise quand même avec les extérieurs, hein. Soyons sincères, hein. Parce que le huis clos. Il n'y a même pas besoin de mettre de guillemets, j'allais mettre des guillemets sur huis clos parce que je suis une personne âgée. Le huis Huit clos, clos. qui est vraiment un huis clos pour Dernier Train pour Busan, hein, quasiment, marche très très bien et arrive en plus à mettre différentes ambiances. Et il faut qu'on arrête de dire du bien Dernier Train pour Busan parce qu'on va parler Ouais, plus de. Voilà. voilà. Donc, on va revenir sur Peninsula. Bah, au Déjà, il niveau y de a trop de numérique. Il y a Oui, non, mais beaucoup trop de y a trop numérique. de numérique. On sent que oui, effectivement, les extérieurs, c'est trop grand et du coup, il n'arrive pas à gérer. Et au niveau de la mise en scène, il y a deux scènes auxquelles je pense. Il y a une scène, c'est exactement une scène de The Last of Us, mais exactement. Au niveau décor, au niveau de l'arrivée, au niveau de l'entrée, même au niveau de la musique, c'est exactement The Last of Us. Et il y a une scène, c'est exactement Mad Max Fury Road. Quasiment plan par plan. Ouais, c'est Et tu te vrai. dis, bah, c'est con parce que le premier film, t'arrives à montrer des choses hyper intéressantes, alors que des films de zombies, il y en a eu un milliard et pas forcément tous très originaux. Et t'arrives à faire quelque chose d'original. Là, t'as une super matière parce qu'en soi, le pitch de base pourrait être intéressant et pourrait amener plein de choses. Et non, la mise en scène, on est sur, bah, comme je disais, de la série Z, du Too Much, du Mad Max, alors que non. Du The Last of Us, oui, mais il faut arrêter de pomper The Last of Us au bout d'un moment, on a compris quoi. Ou alors faut bien le Et. faire, comme Light of My Life de Casey Affleck, où Oui, c'était ou plutôt bien amené. comme la fille avec tous les dons qui lui pompe totalement, mais c'est très bien fait, The Last of Oui, Us. voilà, c'est ça. Là, non. Enfin, c'est pas C'est mal fait, mais. kitschouille. C'est kitschouille en fait Voilà. parce que c'est hyper flashy en termes de couleurs. Oui. Je pense à cette cage qui est vraiment Non, surréaliste c'est too parce much, que en fait, le film est too much, et la c'est mise en too scène much. est too much. Et la mise en scène, ouais, comme on le disait, il y a trop d'effets spéciaux, mais alors vraiment, à un moment, c'est imbuvable. Il y a une course-poursuite où, franchement, ça pourrait être très classe, mais il aurait fallu Non. mieux la concevoir parce que là, le découpage est anarchique. L'idée est cool, mais visuellement, c'est sale. Le fait que ça se passe de nuit, en plus, ça rend le truc vraiment chaotique.
Et Mais ouais, c'est pour le con parce coup. qu'il pourrait y avoir des bonnes idées, mais. Mais il y a une idée qu'ils n'ont pas exploitée, que je comprends pas et que je voyais au début, je me disais, mais c'est génial. C'est l'idée que d'habitude, dans les films de zombies, tu as peur de sortir la nuit et tu sors le jour. Là, c'est l'inverse. Tu as peur de sortir le jour parce que les zombies peuvent te courir après, donc tu sors Non, la ça nuit. va. Et ça, ils ne l'exploitent pas. Ça, ils ne l'exploitent quasiment jamais. Ils passent leur temps à dire, non, mais il faut qu'on sorte de nuit parce que, ils pourront pas nous entendre. Et puis, il fait nuit, ils sont aveugles. Donc... Et là, tu te dis, c'est hyper bien. Mais ils Mais non. n'exploitent jamais cette idée. Alors que dans Dernier train pour Busan, bon, dernière fois où on arrête de, où on dit du bien, dans Dernier train pour Busan, au moins quand tu avais ces séquences où ils passaient dans des couloirs, dans des, enfin, dans les tunnels et où tu avais le noir et que là, plus Tout aucun zombie s'arrête. réagissait, t'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'étais en mode, Non, putain, c'est c'était. génial. Non, non, non. En fait, la subtilité de la mise en scène du premier film fait défaut à la subtilité, enfin, à la non-subtilité du coup du deuxième. Il n'y a plus du tout de subtilité. Et c'est dommage parce que bah, c'est ce qui manque un peu dans les films de zombies. Parce que même s'il y a des très bons films de zombies, au niveau subtilité, on est à peu près à zéro. Ah Je non, non. pense à la saga 28 jours, 28 semaines plus tard, Oui. où il n'y a aucune subtilité. Pourtant, c'est des très bons films. Là, il n'y a aucune subtilité, mais c'est pas un bon film. Bah non, c'est pas fou. C'est dommage, encore une fois, parce que t'as ce vrai potentiel de base, t'as un auteur qui, on sent, a envie de transmettre son côté vraiment délirant et fumé à l'univers. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça ressemble plus à Seoul Station, le film d'animation qui avait servi de base au dernier train pour Busan. Même Seoul Station était plus subtil, entre guillemets. Il y avait le travail de l'animation qui donnait un tout autre aspect à l'œuvre. Là, pour le coup, non, pour moi, on est vraiment du côté de Resident Evil Apocalypse, parce que j'ai vraiment cette impression À moins que... vraiment que le réalisateur ait voulu faire un Resident Evil, ce qui est possible aussi. Et dans C'est ce cas-là, possible. c'est réussi. Oui. C'est réussi, mais C'est pas ce qu'on attend de ce genre c'est de pas ce qu'on film. attendait forcément. Après, ce qu'on attendait, c'était forcément juste. On va peut-être pas dire ça. Mais vu le premier film qu'il a fait, c'est un peu déconcertant de voir ce deuxième film. Même C'est si c'était ça. peut-être un souhait. Et le problème, c'est que même s'il a voulu faire, bah, il y a des moments où ça marche pas du tout. Et la scène d'action de fin, qui se résout en plus par un Deus Ex Machina Qui se voit à 10 km. qui et puis qui non non bah non 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 ça marche pas. Ouais, non, non, ça marche pas. Et puis en plus, le film finit vraiment en queue de poisson. Et vraiment, alors là, par contre, c'est pour ça que je parle de Resident Evil Apocalypse, ça finit comme Resident Evil Apocalypse, quasiment. C'est vraiment la même fin, quasi à l'identique. Et pour moi, on est vraiment pas loin du ridicule. Mais ouais, je pense qu'on est plus sur un film où le réalisateur a voulu faire un plaisir coupable que vraiment faire un film de zombies avec l'envergure de Dernier train pour Busan. C'est certainement ça, mais ça fait un peu de la peine, quoi, de se dire qu'on a un mec qui a fait un premier film qui a eu autant de succès et... Le deuxième a eu du succès, hein. Peninsula en Corée du Sud, il a fait un carton, hein, vraiment. Ouais, mais les Mais critiques la presse étaient est voilà. unanime en disant, franchement, c'est En moyen. fait, j'ai un peu l'impression que c'est le syndrome qu'on a pu avoir avec le réalisateur de Us, où son premier film marche hyper bien, c'est son premier film, le truc fait un carton alors que c'était pas du tout prévu que ça fasse un carton. Ouais. Du coup, hop, à suivre un deuxième avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus de moyens, et du coup beaucoup plus d'effets spéciaux, beaucoup plus de machin et tout, et ça va desservir ce qui faisait attrait dans le premier film. C'est ça. Sauf que là, c'est quand même relativement réussi. Or, eux, c'est réussi. Hein. Là, Là, c'est complètement foiré. c'est foiré sur pas Et mal c'est d'aspects. dommage parce que on aurait pu avoir d'un côté A24 qui fait des super films et de l'autre côté le Sud-Corée qui fait des super films de genre. Et on se rend compte que bah, ça Après, risque Peninsula de. ne représente pas la majorité quand même des films Non, de bien genre sûr, sud-coréen. C'est mais vraiment le de côté. ceux qui percent à l'étranger, C'est par ça, contre. le côté un peu trop extrême qui veut aller dans une direction où c'est pas vraiment entraînant ou De ceux convaincant, qui quoi. vont aller vers le grand public du C'est cinéma de ça, genre, le parce qu'il divertissement n'y en a vraiment pas à non l'ancienne. plus des masses Ah bah non, au non. cinéma de genre sud-coréen Ça, c'est qui clair. percent en France, Ça, c'est clair. malheureusement. Oh oui. En termes de casting, ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup d'interprètes que j'ai retenus. Hein. Non, non. Dong Yo-gang, qui joue donc le personnage principal, le rôle du chef militaire, là, Jung Seok, il est pas trop mal, mais il est Bah, très insipide. oui, puis on en revient à l'écriture, mais les personnages sont tellement écrits avec tellement de clichés que tu aurais pu mettre n'importe quel acteur, ça aurait rendu la même chose C'est en ça, fait. voilà. À contrario du premier où tous les acteurs Voilà. ressortaient vraiment et où il avait pris des gueules quand même, Oui. là, que ce soit Jung Yoon Lee, que ce soit Ray Lee, que ce soit Yeon Kyun, que ce soit Min Jae Kim, que ce soit Gwan Ku, que ce soit Do Yoon Kim, en fait, tous les acteurs sont interchangeables. Et c'est ça le gros Oui. souci. C'est qu'il n'y en a aucun qui arrive vraiment à sortir du lot et à donner une interprétation Si ce qui. n'est les deux petites filles Si ce n'est deux petites filles, qui encore une sont fois. voilà. Elles sont vraiment excellentes, mais.
Mais sinon, tous les autres acteurs, tu peux les interchanger avec n'importe quel autre acteur du cinéma sud-coréen qui marche bien. Et il aurait fallu des acteurs, je pense, avec plus de charisme, honnêtement. Il aurait fallu des acteurs avec plus de Déjà, je force de pense que frappe. rien qu'avec une meilleure écriture, je pense qu'on n'aurait pas eu ces propos-là. Je pense qu'avec une meilleure écriture, Il aurait déjà eu ça, ouais. les acteurs s'en seraient peut-être mieux sortis et du coup auraient pu vraiment s'imposer. Alors là, bah, tu peux pas faire grand-chose quand t'arrives et que t'as un scénario comme ça, quoi. Mais je pense par exemple ils auraient pu prendre Byung-Hun Lee qui est l'acteur de Bittersweet Life hein, qui est un super acteur qui a vraiment une gueule de malade et dans le rôle du militaire il aurait pu passer à 10 km et il a du charisme, il aurait vraiment dégagé quelque chose et c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas pris, enfin je pense à lui parce que dans ma tête il avait vraiment la gueule de l'emploi pour jouer le rôle mais ouais les trois quarts des acteurs sont très interchangeables donc ça dessert beaucoup le film parce que si tu as des acteurs qui arrivent pas à transcender un scénar qui est quand même très moyen. Bah derrière, t'as quand même du mal à te dire, ça aurait pu être Ouais, vraiment ça se cool. casse encore plus la gueule, Ça se quoi. casse encore plus la gueule, ouais. Bon, on arrive à la fin. Qu'est-ce Ouais, qu'on retient, Hugo, on de l'a Peninsula? On l'a démonté. démonté, là. Oh là Je crois que c'est la première fois qu'on démonte autant un film, tous les deux. là. Ouais, c'est d'habitude, il y en a au moins. À part peut-être Cimetière, et encore Cimetière, on Et en avait encore fait un petit peu du Cimetière, bien. On je le descendais était vraiment et toi, tu remontais un petit peu un le petit peu truc. quand même, mais Ouais. là, non. Bah, c'est dommage. Après, charge aux gens d'aller le voir quand même, et peut-être de prendre un plaisir coupable, ou même un plaisir Voilà. tout court, à aller le voir, parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à la suite de Night Train pour Busan, et ça va leur plaire. Ouais, Au même titre peut-être. qu'un Resident Evil peut plaire, au même titre qu'un Doomsday peut plaire, au même titre qu'un Underworld, enfin, ouais, je pense à des gros films, grosses bastons, gros effets spéciaux et tout. Nous, personnellement, je pense que ça nous a pas plu parce qu'on ne s'attendait pas à ça, malheureusement, et on était un petit peu dépité devant le film. Au bout d'un moment, on a même un petit peu lâché parce On qu'on. commençait un peu à lâcher, Ouais, parce on pétait des durites, on se disait non, non, c'est pas possible, c'est non, non. Donc, bon, après, c'est comme ça, on verra ce que ça va donner par la suite au niveau de ce cinéma-là, mais là, c'est sûr que, enfin, pour ma part, Peninsula est une déception parce que c'est vraiment le point négatif que je ressors du film, c'est trop de clichés. Et trop de copier-coller, et l'originalité, on la perd complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, le cinéma de genre qu'on attend de plus en plus, ce qu'on voit avec A24, avec des films comme The Lighthouse ou comme Dernier Train pour Busan, c'est de l'originalité. Et là, elle est très 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 loin. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qui fait défaut au film. Je ne peux que t'approuver. Moi, je considère vraiment le film comme étant arrangé dans la case plaisir coupable. C'est-à-dire que c'est vraiment une grosse série Z, pété de thunasse Matez ça entre copains avec les bières? Ah, franchement, voilà, Ouais, hein, sans déconner, voilà. c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est mater ça bien, un peu beurré en deuxième partie de soirée après un bon premier film. Vous taperez une bonne barre, vous allez bien vous amuser. Mais en tant que suite de Je Dernier pense Train pour que Busan, si dans c'est. 10 ans la nuit fantastique existe encore, on aura Peninsula Ça serait pas en. étonnant, hein, ça serait Voilà. pas étonnant. Mais vraiment, c'est juste dans ce sens-là. C'est-à-dire que sobre, à jeun, avec l'impression de voir la suite de Dernier Train pour Busan, ça ne peut que décevoir Peninsula. Mais dans un certain esprit un peu amusant et de se dire on va se taper une bonne barre, avoir un bon gros film clicheton pété de thunes, c'est amusant. Mais en soi, Je me rends on. compte qu'on n'a pas parlé de certaines choses, mais je pense qu'on aura continué à descendre. Ouais, non, non. J'ai un petit quai sur la musique. Ah non, non, mais non, mais alors là, si on part Et. sur la musique, c'est l'enfer des oreilles, ça a aucun sens, et puis Bah, c'est surtout que ça n'a aucun c'est. sens. Et il y a une seule musique à la guitare. C'est ça. The Last of Et. Us, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ouais, non, mais Que là, si je sais que c'est pas une science exacte on a et qu'il n'y a encore pas que plus The allumé le Last of Us, film. mais. Là, on a encore plus allumé le Voilà, film. c'est. Enfin. Vous voyez l'idée, hein. Aller voir jouer à The Last of Us. Moi, j'ai toujours pas joué au 2, faut que Non, j'y mais jouez joue. à The Last of Us, regardez Resident Regardez. Evil Apocalypse, si vous êtes Non, 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 fou même furieux, pas. matez Non, non, non. Doomsday. On va pas. Faut pas faire ça aux gens. C'est mal. Mais Neil Marshall est un bon réalisateur, c'est pas parce que Doomsday est une grosse merde que Neil Marshall Bon, n'est je sais pas un même pas, bon il a fait quoi réalisateur. d'autre? Alors il a fait des trucs bons, c'est lui qui avait fait The Descent. Et ça y est, il a oublié, il ne Ah, sait plus ce que si, c'est. je vois très bien The Descent, mais. Voilà. Voilà. Si c'était bien, Oui, The Descent. bon, Si c'était très bien, quand même. C'est oui. mieux que Peninsula de C'est mieux que Sangoyeon. Doomsday. Vous avez compris, on vous le Voilà. conseille pas vraiment, parce que sinon on va encore partir en vrille, on fait des recommandations là. Mais ouais, donc voilà, enfin, Si vous voulez des si. recommandations, allez voir Nous sommes les nouvelles chimères quand il sortira au cinéma. C'est un Allez, documentaire sur voilà. le black metal. Ça Voilà. s'est jeté. Fallait que je Fallait que fasse. tu le cales, fallait que tu le cales. Merci Hugo d'être Bah, venu. merci à toi. Enfin, Ouais. je sais pas. Ouais, je sais Peut-être pas lui non plus, aussi. peut-être.
Bon, d'ici là, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Bah, d'aller voir des films même en temps de Covid. Voilà, parce que c'est bien d'aller voir des films même s'il faut porter un masque pendant Oui. toute la durée du Et film. Et c'est ça faisable, supporte. Oui, c'est faisable, c'est faisable. ouais. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Et attention, vous êtes Je vais pas prêts? spoiler parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Si, il y a le Voilà. commandant Jane à la fin. C'est l'ONU à la fin qui les sauve. Me demandez pas. Voilà, on Je sait sais bien pas, j'ai pas pourquoi. compris. Et l'ONU, c'est une grosse queue là qui s'appelle.